L'histoire du chien Hachiko va vous surprendre. L'histoire débute au Japon en 1923, lorsqu'un professeur d'université nommé Hidesaburo Ueno adopte un chiot Akita Inu et le nomme Hachiko. Chaque jour, Hachiko accompagnait son maître à la gare de Shibuya, où le professeur prenait le train pour se rendre à son travail. Hachiko attendait ensuite son retour à la même gare, exactement à l'heure où le train de son maître arrivait. Cette routine s'est poursuivie pendant plus de 2 ans. Cependant, en 1925, le professeur Ueno est décédé subitement à son travail. Malgré la disparition de son maître, Hachiko est retourné chaque jour à la gare, attendant le retour de son maître décédé. Il a continué cette routine pendant près de 10 ans, devenant une figure emblématique à la gare de Shibuya. La loyauté extraordinaire de Hachiko a touché le cœur de nombreux habitants de Tokyo. Et en 1934, une statue commémorative a été érigée en son honneur à la gare de Shibuya, où il avait attendu pendant si longtemps. Désormais, la statue de Hachiko est devenue un symbole de fidélité qui a inspiré le monde entier et qui illustre la loyauté que les animaux peuvent éprouver envers leurs propriétaires.